Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est 22 octobre 2022, yon plaisir pour m'entrer la caïno dans l'ESA. Nous vous saluer déjà, nous c'est Réseau Information Sofia TV 83 et nous sommes informés en temps réel sous dernière actualité. Li pas un secret pour personne, insécurité à Gemetli, États-Unis campé derrière elle, ça pas empêcher bandi toujours devant kidnapping, c'est coq chanté en Haïti qui était dans la misère et puis si bizarre racisio, si nous t'attendais ça t'a parlé concernant politique. Jinal Boulos, Dimitri Vob, Pacha tout, c'est plusieurs moun yo dit qui n'en tête gagnio. Et yo dit sénateur Tibonit là la dans le tout. Cependant l'on y semble pas jouer dernière nouvelle yo confirmé clair pas gen route pas bois faut que ça changer et bagaille là fait clancer faut gang yo fini mais c'est pas intervention militaire étrangère plutôt avec force police nationale là avec la médaille. Si nous ta quoi ça Stanelika fait connait. Entre-temps sans filtre en coûté yon extrait Stanelika déshabillé bourgeois et bay pin par point qui les qui campé dans tête gang yo et qui ça ta doué fait et comment ça va venir dans jour yo et pendant ce temps là mandé tout justice pour président Jovenel Moïse en état de ou envie fait bien bonne 5 oligarques corrompus non qui dans mouvement gang et Reginald Boulos Dimitri Vob Jean-Marie Vob Pacha Vob nek sa yo nan gang men. Et il y a pour gang dans pays là et puis il a passé nous dans bêtise. Qui l'autre monde encore parce que ou ba une seule famille ou ba deux familles là. Ouais, il y a à peu près 15. Et là moi pour faire tout travail là monsieur. Non mais tu sois faire faire ou qu'on est cotoya ou rien pas privé. On a dit non. Bonne bonne toi. Non, c'est pour une question que côté mia même l'aime dans Haïti, me prend responsabilité même ça pour ça nèg yo oligarque yo avec nèg d'avala sur essayer tuer plusieurs fois. Non mais bonne toi on a dit non et des pays là. Et des pays on a bonne quelques oligarques encore toujours là. Donc toujours dans solution à problème non. Qui l'a nèg a délivré zam pour l'armée à la police. M'pa kalman e oligak sans que l'armée à la police pa gen zam. Parce que dès pou commencé manyen oligak yo, yo pral rele gang yo pou yo mette du feu kidnapper a oyo nan peyi a. Donc moi même question m'a dit blanc, qui l'a bay la police à la mes zam? Qui l'a bay yo bon équipement ou l'a voye équipement troisième main qui pa iti lan hein? Ou voyez bay blanc pareil ou en Ukraine 30 milliards de dollars américains pour ka défendre tête li. Pour qui ça n'a fait politique raciste contre mon noir pays d'Haïti? Nous ka régler problème nous-mêmes. Pour qui ça monsieur blanc yo nous refuser bay zam à l'armée nous et la police nous même j'en fait la blanc pareil ou en Ukraine. Faut nous dire blanc yo bagay yo monsieur. C'est pour un pays, c'est 11 millions moun n'a défendre là. C'est ça n'a défendre. C'est 11 millions moun qui menacé qui pa ka sorti dans la rue que gang menacé nous même haïtiens nous ka casser gang yo gon colonel là mais qui dit clairement depuis nous baï aux zam y a réglé problème non Stanley, Stanley, mais nous même nous voulons coopération à blanc nous pas anti blanc Stanley gon précision pour porter zam ça machine ça yo blendé yo c'est pas yo fait cadeau nous c'est 12 millions de dollars nous voulons pour l'acheter c'est pas cadeau nous non ça va 12 millions non ça moi là même son spécialiste en développement politique. On garde comment équipement militaire coûte à travers le monde. Ça m'a débarqué dans l'aéroport, côté obligé à souder bout de fer devant radiateur pour que les attaques pas fait sous gang, yo pas tirer radiateur. Ça son manque de dégâts mon cher. Blanc yo konn ki zam pou ban nou mon cher. Si blanc connaît qui qualité zam pour le bay en Ukraine. Blanc connaît que c'est javelin pour le bay ukrainien yo par rapport à tank russe yo k'ap bay problème. Yo connaît qui drone pour yo bay ukrainien yo comme si blanc pas connaît qui ça pour ban nous. Et puis, moi, j'ai cherché à faire diversion. Yo voyez comment il est encore Badjo Joseph a sorti lettre. Alors que Badjo Joseph, sous-gon problème, c'est DCPJ pour écrire. Moi, je voyais lettre à l'ambassade américaine comme sous comprendre que l'ambassade américaine va le retirer dans la liste de négociation politique. Quoi faire, men? C'est DCPJ pour écrire Badjo Joseph. L'offre tout le président, c'est DCPJ qui font rapport 800 pages qui établit. Théâtre, quoi faire, pas passer Badjo ensemble avec Ariel Henry. Nous finissons toujours le président de la République. Nous pensons que bah, la pat, t'as pas le passé comme ça après deux mois. Nous t'as cassé faire couvrir ça. Ouais, dossier arrivé dans le Conseil de sécurité. C'est dossier Jovenel là qui mène nous dans le Conseil de sécurité journée aujourd'hui. Qui fait dossier Haïti à tout nos dossiers géopolitiques. Nous comprenons que nous avons cassé faire couvrir ça. Sous comment ou comment Afrique, divers pays dans Afrique, côté que tu as des conflits comme ça, et on propose un élément de solution très rapidement avant de finir. Et élément de solution pas compliqué et blanc refuse faire. Haïti pas besoin d'intervention militaire.
Nous besoin de nettoyage dans la police là. Haïti quatre commissaires qui n'en fantôme 509 yo, mettez-yo à terre. Entre 150 à 200 policiers qui gagnent dans gang yo, mettez-yo dehors, révoquez-yo. Mettons commandement dans la police là qui solide et qui gon stratégie avec une autorité civile cap courir. Ou pas qu'à un ministre de la justice qui n'a trafic d'armes, ou pas qu'à un ministre de l'intérieur qui n'a kidnapping, ou pas qu'à un premier ministre qui n'a touye président. Donc, et solution, c'est qui s'allie? Baille l'armée à la police, d'armes à équipement que vous besoin. Même et vieux Jeep que Canada a voyé samedi qui saute passé à, c'est soudé, obligé à soudé devant radiateur, men. N'est-ce qu'il y a passé nous dans bêtise, men. Si blanc veut aider nous, quel bail là mais à la police zam, voyez quelques techniciens viennent former éléments d'élite dans l'armée et la police pour casser un gang yo pi bien, mais on va pas casser un gang yo d'abord. Faut casser moun k'ap pensé pour gang yo. Nèg yo refuse moyen oligarque qui nan touye président et qui nan gang parce que c'est allié yo que oligarque yo ye. C'est ça. Mais yo refusé moyen troisième, deuxième et quatrième étage insécurité a. Y a pas l'MD si l'appli, y a pas l'MD barbecue, y a pas l'MD l'amour sans jour. Oui, faut que nous craser gang ça yo. Mais faut commencer en l'air. Américain l'air commencer. Ça a Osama Ben Laden, ça avec Kassim Soleimani, ça avec Al-Baghdadi qu'elle casser rien et puis descend en bas. Pour qui ça yon va faire même bagay là en Haïti? Pour qui ça yon refuse? Bon exemple, et mon ami guerrier, nan cherche solution. Abinader la sot di gen 2 semaines, la commande des armes pour l'armée, la commande des ceci pour l'armée. 2 semaines pa passe, l'armée dominicaine qui fait génocide sous nous, li gen tan jwenn toutes armes qu'elle besoin. Est-ce que son politique raciste kap mené contre pays d'Haïti? Est-ce que c'est pour ça yon besoin l'armée noire pour vin touye moun noire pays d'Haïti? Moi-même, c'est moi-même qui pour craser gang qui la kaye mouyan. M'a besoin blanc vin tuer moun noir dans le pays d'Haïti. L'armée nouan, la police nouan, gen capacité casser un gang yo. Mais faut nous prendre oligak yo avant. Et nèg yo bien konnen ki oligak ki nan gang. Solution là, c'est oligak la bloquer processus politique là. C'est oligak yo kap goumen yon, de akor yo. Tout akor wè kap goumen yo. Et pas politicien yo kap goumen, c'est oligak ki de yo, yon kap goumen. Donc, l'orgade des deux premiers parties, ça, c'est qu'on comme d'adou, c'est où j'allève, n'est-ce qu'il a mis son cochon. Tellement bagaille là, difficile. Après, ça a entré dans action spécifique, yo. Et en anglais, on dit travel ban. Avait dit que empêchons série de monde qui implique dans violence, dans gang, dans toute bagaille, ça, yo, voyager ou bien recevoir visa. Et ça qui est intéressant dans la résolution, n'est-ce qu'il vient comprendre que 99% oligak, kap kore gang yo nan pays d'Haïti, yo pa gen paswa haïtien. Donc yo pa besoin visa pou yo voyager. Oligak kap kore gang yo, yo gen paswa américain, canadien, français, jordanien, palestinien, chinois et peut-être dominicain. Mais yo pa gen paswa haïtien. Donc nan résolution côté yo parle sanction que yo doit prendre sous et moun kap voyage yo. Après ça yo vin entrer nan ça relé sanction économique yo. Et nan sanction économique yo et yo bay ki jan pou yo saisi compte en banque en Haïti, compte en banque à l'étranger, bien que yo gagnent ki jan pou yo gelé yo. Yo fait des exceptions nan jan pou yo fè là. Avè di si moun nan à l'étranger par exemple, li gon kay ki l'achete, li gen pou payer et on kob sou kay la chaque mois yo di que yo gen droit quitter moun nan au moins servi à kob ke l gen pour payer une série de bagay qui gen rapport avec situation médicale li et kay ke l gen et la trier. Donc et c'est pour sanction économique yo et en dan résolution en tout et non seulement yo mette des sanctions économiques, yo mette un comité tout qui pour décider comment sanction yo pral appliquer. Yo met ton méthodologie sous jan sanction yo pral appliquer. Et d'une façon générale, lors des résolutions, question qu'on pose était tout. Et est-ce que résolution ça pral appliquer sérieusement? Est-ce que résolution ça pral font différence? Résolution ça pral font différence dans la mesure où comité ka pral appliquer sanction yo comprendre que ka insécurité en Haïti gen 4 étages.
premier étage là, c'est gang yo. Deuxième étage là, c'est officiel qui dans l'État, leader politique, juge, ancien parlementaire qui dans gang. Troisième étage là, c'est ancien président oligarque qui dans gang. Et quatrième étage là, c'est blanc qui fait partie de élite globaliste corrompue qui supporter et financer tout bagay sa yo. Et en même temps, blanc raciste qui non seulement voulait mettre pied sous koumoun noir dans le pays d'Haïti, mais voulait exploiter sa yo gen. Est-ce qu'il y a une capacité à appliquer sous quatre étages sa yo? Et l'op dans tous les quatre étages sa yo, il y a 15 catégories. Il y a oligarque, il y a ancien président, il y a officiel gouvernement, il y a sénateur en fonction, il y a ancien parlementaire, il y a moun qui dans CSPJ et qui juge, il y a commissaire police qui dans fantôme, il y a policier qui dans gang, il y a leader politique, il y a chef gang, il y a moun nan droits humains, il y a journaliste, il y a lobbyiste, il y a l'église et il y a blanc et tout. Conseil des blancs qui la dan. Blanc qui besoin vinn voler. Ça nous gagne en bataille dans le pays d'Haïti qui a supporté la transition. Mais l'on prend tout et considération un et considération deux résolutions. Les négociants font acteurs entrer dans le dialogue et dans la négociation. Pour moi-même, Jean Atik ça a écrit, peut-être c'est madame la lime qui recommande, il représente une menace pour la démocratie noire. Parce que pour ça le représente une menace pour la démocratie qui n'a pas essayé bâti hein n'est qu'il a essayé délégitimer le système politique que le peuple a choisi le 29 mars 1987 les tout le monde capitaine des radio a t'al voté le 29 mars 1987 yo choisi un système politique à travers constitution et les règles du jeu démocratique les blancs vini li dou ça à partir des négociations à partir des dialogues pour jouer une solution à problème yo, c'est pas des solutions constitutionnelles que yo doyé, y a délégitimé système politique politique pays nous. Bon ben un exemple concret pour auditer à comprendre. Gede nèg Kishita yo fait conseil de transition. Gede nèg Kishita yo fait salut public. Gede nèg Kishita 42 moun nan Montana yo fait accord Montana. Gede nèg Kishita yo fait accord 11 septembre. Nan. Les nèg yo fait accord yo comme ça. Comment yo délégitimer système politique là? Yo retiro nan règle du jeu politique là qui ou même comme peuple choisi. Et c'est des petits amis qui pral décider qui ça l'état ayé, li pa ka comme ça. C'est pour ça ou même ou t'a voté le 29 mars 1987. L'on voté le 29 mars 1987 là, ou dit men règle jouette politique là. Avait dit que lè ou tout yon président tout autant que peuple a pour voter ou pas qu'à mettre un nouveau président. Oui, Stanley. Il a dit qu'on s'acquait. On connaît ça, ça m'a dit à Dieu, mais faut me dire. Stanley, on connaît ça. Nous avons une méthode que nous avons utilisée, nous avons tout ça déjà. Méthode là, dans un premier temps, c'est informer Mounio. En informer Mounio d'abord. Par exemple, nous avons tout ça aussi ensemble, considération qui est importante. Est-ce que Blanio, j'ai envie de dire, est-ce que les soldats, ou bien militaires, ou bien force robuste là, est-ce que Nations Unies finalement n'est pas décidé pour que M. Sayo vienne? Discussion continue à faire tout ça pour qu'on gagne un consensus sous lui. Parce que la Russie a une position, les États-Unis ont une position, la Chine a une position. Tout bagay qui est d'accord sous lui, c'est que gang nan son problème dans le pays d'Haïti. Moun kap finance gang nan son problème qui est lié dans le pays d'Haïti. Quel problème la Russie gagne ça? Quel problème la Russie gagne avec question et intervention? Bon, pour répéter ça, ambassadeur Islandi, il dit qu'il y a trop d'interférences étrangères dans ce qui passe en Haïti. Il dit qu'il y a des blancs globalistes corrompus qui veulent mettre des gouvernements de corruption pour qu'ils aient volé ça nous gagne en bas des pays. C'est pour ça que le conseiller de l'autre qui a couru Montana. C'est pour ça que le conseiller de l'autre qui a couru Ariel. Et l'autre, un système politique noir. Et pour ça, ouais. L'aime faire considération. Il est important, puis Louis Guerrier. Constitution doit consacrer l'autre où il y a un président, pas qu'à mettre un président, son premier ministre, avec des ministres qui doivent diriger l'État. Koulia, si nèg yo fait dialogue pour respecter la Constitution, pour mettre un nouveau premier ministre, que tout le monde dans le pays a capable d'accepter, ce n'est pas des nèg qui étaient dans l'État déjà, qui étaient dans la corruption, qui volaient leur banque centrale, ou bien qui volaient l'autre côté dans l'État, et que tout le monde connaît qui ça a déjà fait dans l'administration publique. Là.
tout pays a d'accord que nous avons un nouveau premier ministre senti bon avec des ministres qui représentent tous les départements qui va rétablir la sécurité, mais en même temps tout un premier ministre qui a gardé blanc en danger. Il y a un problème que nous avons dans tout processus qu'a fait là, blanc a choisi des nèg qui pas garder le danger, des nèg qui a garder à terre. Blanc n'a pas voulu moun qui a gardé le danger. Fritz Jean a gardé à terre. Ariel a gardé à terre. Jodi a payé, il n'y a pas besoin aucun haïtien qui a gardé à terre. Il faut qu'il gardé blanc en danger. Pour nous résoudre le problème, ça, ce n'est pas résolution seulement, non? Il faut nous avoir un gouvernement représentatif qui n'a pas gardé à terre. Et le problème qui est en application résolution, tout autant qu'un gouvernement qui a gardé à terre, pays après une crise toujours, parce qu'il ne peut pas représenter la volonté populaire.